Et salut les gens, c'est Flappers qui vous parle en direct de Battleland, la saison 3 les potes. Oui, vous entendez bien, la saison 3 avec une magnifique nouvelle arme, le Quad Zuka, voilà, que je n'ai pas eu encore l'occasion de tester. Mais c'est pas grave, on va peut-être essayer de se la tester maintenant, mais on n'est vraiment pas sûr parce que elle est dure à voir vu qu'elle se trouve dans les machins qui sont largués. Donc on peut voir également aussi des petites améliorations, notamment maintenant ils mettent les DPS, la portée qui est très importante parce que maintenant tu peux vraiment comparer la portée entre la SCAR qui est de 14 et le fusil d'assaut qui est de 13, donc ça c'est enfin bien. Après on a les balles par minute, on s'en fout un peu, munitions initiales ou s'ils veulent. Et dégâts dans la tête surtout, c'est important puisque j'ai remarqué que le canon double fait 2,5 fois plus de dégâts dans la tête. Vous savez, quand c'est marqué rouge, voilà. Donc c'est ça les potes. Et du coup les gars, on va se partir en petite game en solo, oui, oh bah, oui, en solo, voilà. En solo directement. Et je tenais à m'excuser d'une absence de quasiment 3 semaines de vidéo je pense. Puisque je n'avais vraiment pas le temps, les profs m'ont bombardé de devoirs et je n'ai vraiment jamais eu le temps. Autant vous savez maintenant, le samedi je suis pris, je ne peux plus beaucoup faire de vidéos, le mercredi, oui, samedi je peux à la rigueur, mais c'est très dur. Du coup les gars, on va essayer de faire un top 1 tout de suite, voilà. Et j'ai prévu quelques nouveaux trucs pour la chaîne YouTube qui arriveront sûrement prochainement. Voilà, voilà, pour ce retour. Et je vais essayer également de faire des commentaires à peu près fun. Parce que bon, jusqu'à présent, je parlais juste. Et c'était globalement tout. Voilà. Donc alors lui, on va essayer de se le faire. Mais ça fait vraiment très très longtemps, les amis, que je n'ai pas joué à Battleland. Bon, là, je vais me faire gangbang par contre. Alors ça, c'est vraiment pas cool. Hop, je vais sortir à l'extérieur. Comme ça, les deux petits cons, ils vont se combattre. Ok. Ok, alors lui, les gars, on va se le faire. Voilà, petit con, va. Alors du coup, il en reste un dans la zone. Ok, donc il s'est pas bien visé, voilà. Merci mon ami de me faire gagner ce petit duel. Alors, on a un slot là-bas, très bien. Oui, moi j'appelle ça slot, comme vous savez, hein, mais bon, vous appelez ça peut-être un parachute ou je ne sais quoi. Mais c'est pas très grave. Alors du coup, on est parti déjà avec 2 kills, avec cette nouvelle map. Voilà, cette magnifique map de neige, les amis. Et je vais peut-être, avec des petits bonhommes de neige, alors ça c'est absolument magnifique de la part de Futureplay, les développeurs de Battleland Royale, très bien. Ah oui, alors le nouveau sniper aussi que j'ai pas eu l'occasion de vous faire en vidéo, qui est excellent ce sniper, qui fait beaucoup de dégâts, mais oula, attends, il a un. Ok. Ah oui, alors par contre ça fait toujours plus de dégâts que moi. Eh bien très bien, on s'est fait défoncer, yes, nickel. Bon, j'ai mis très cher néanmoins, vous avez vu, j'ai mis 2 balles, je lui ai enlevé la moitié de sa santé. C'est vraiment énorme cette arme. Voilà. Donc déjà, petit fail dès le début de la vidéo, mais c'est pas grave les amis, nous sommes là pour le fun. Alors du coup, on va repartir en petit solo, voilà. Tranquillou, tranquillou. Et je vais essayer de faire un truc propre. Et dites-moi en commentaire, c'est très important, si vous voulez un peu de montage sur Battleland Royale. C'est-à-dire, je vous montre uniquement les moments fun, ou si vous vous en foutez, vous préférez le gameplay complet. Voilà, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Donc sur ce, on va prendre encore le petit fusil à canon scié double. Et on va partir à la recherche de boucliers. Parce que là, sinon, on est un peu dans le Moïse. Par contre, il y a un truc aussi qui va peut-être arriver sur Battleland Royale. C'est des idées de mise à jour qui ont été... Bon, je prends la SCAR. Qui ont été proposées par des joueurs. Donc notamment le fait de pouvoir briser les arbres par exemple, c'est-à-dire que parfois vous savez, le mec est en PLS, alors du coup bah, il va tourner autour d'une voiture ou d'un truc comme ça, là il va faire comme un con comme ça, vous n'allez pas pouvoir l'avoir, alors du coup là tu auras juste à tirer et ça pètera, enfin ça aura un nombre de vies bien sûr, et aussi il y a des fuites comme quoi il y aurait un lance-grenade qui va bientôt sortir, on a même une image de ce lance-grenade. Que je ne vous mettrai pas malheureusement, mais je peux essayer de vous la mettre, mais c'est pas sûr. Alors très bien, on tombe contre un mec qui s'est absolument pas visé, merci Jeannot. Magnifique skill. Hop, le petit kill. Ah bah, décidément, on va faire plein de kills dans cette partie. Alors il m'a même pas donné son arme légendaire, c'est quoi ce foutage de gueule? Are you serious? Alors attendez, donc la petite astuce, au lieu de prendre les chargeurs, vous prenez l'arme, voilà, hop, et vous prenez le chargeur, ça vous rajoute plus de balles, comme ça, voilà. Donc on est à 3 petits kills, très bien.
Et du coup, voilà, bon, j'essaie de vous mettre le lance-grenade. Je prendrai un screenshot d'un mec qui a fait une vidéo sur ça, où il y avait le Quadruza, là, et une image à côté avec un lance-grenade. J'essaierai de vous mettre ça, les petits potes. Et voilà, oula. Ouais, alors là, par contre, avec une Scar légendaire, mon gars, je vais me faire défoncer. Donc on va fuir, tel le lâche que nous sommes. Ouais, là, ça va vraiment pas le faire, là, va falloir vite que... Non, 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 je vais me faire défoncer. Je peux tenter à distance. Très bien. Alors, on va prendre juste ça, parce que, alors là, en niveau paix, en niveau vie. Oulalalala. Ah là 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 là, ça sent pas bien. Non, 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 con... Oh putain, mais quel fumier. Comment ça, j'ai le drapeau. Ouah, alors là, les drapeaux sont vraiment très bugués, parce que je n'ai jamais eu ce drapeau-là de ma vie. Yes, on est bon, les gars. Je vais faire une dernière petite partie en espérant récupérer un slot pour avoir le Quadruza, parce que je veux avoir le Quadruza. Qui a l'air absolument magnifique, et absolument cheaté, et absolument démentiel. Et du coup, on va essayer d'aller le chercher, tout simplement. Hop, on va aller dans la cachette, les mecs. Et voilà, on va essayer. La cachette, je trouve, selon moi, qui devrait faire un supermarché, les gars, à la place. Je sais pas ce que vous en pensez, genre un bâtiment où on pourrait rentrer dedans, tu vois, un truc un peu stylé, voilà. Si tu as une idée, mets-la moi en commentaire à la place de la cachette, parce que je trouve ça vraiment nul. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça vraiment nul, la cachette. C'est comme la ferme, mais c'est une cachette avec rien de plus, rien de moins. Il y a peut-être juste un bâtiment en moins, je ne sais pas. Je ne suis pas professionnel architecte. Donc, alors, du coup, on va essayer d'aller... d'aller nulle part. On va essayer de récupérer un slot, surtout, les gens. Dans ma partie, j'ai vu une fois en duo avec... avec une personne qui s'appelait Reiki, je crois. Son pseudo c'était Reiki, oui, il me semble bien que c'était ça. Qui est d'ailleurs, si tu passes sur la chaîne YouTube, normalement t'es abonné, je pense, parce que sinon je ne t'aurais pas dans mes contacts. Bref, tu sauras donc que c'est toi normalement. Du coup, tu pourras témoigner qu'on a bien vu un Quadruza qui t'a défoncé d'ailleurs, oui, parce que oui, toi tu es mort, si tu te rappelles bien, et moi j'ai survécu, et du coup, on a fait top 1, mon gars, mais oui! Je crois bien que c'était Reiki, j'irai regarder après dans mes contacts. Alors par contre là oui, alors la zone, j'ai pas trop envie de me la manger là. Waouh waouh waouh, elle sprint sa race la zone. Waouh waouh waouh. Alors lui il a la vieille carabine des années 80. Très mauvaise arme, hein. Très très mauvaise arme la carabine les amis. Qui est surtout pas à voir. Ok, alors là il y a le poteau avec son sniper, son car 99. Qui va essayer de nous fumer, mais malheureusement pour lui je suis bien trop rapide, pour lui il est bien trop intelligent parce que je suis rusé. Attendez, lui, toi tu meurs comme un caca que tu es. Voilà, hop, on va prendre hop le petit truc. Voilà, voilà, tranquille au bidou les amis. On va essayer de trouver un truc pour la vie puisque on a perdu un peu de vie. Là on peut voir des petits pas là-bas là qui se dirigent vers on ne sait où. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'ils mettent plus de ravitaillement, parce que, bon... Ah, bah si, il y a un mec qui a un bazooka, à la preuve. Ah, alors ça, je ne peux pas... Oh, putain, des merdes. Alors, à mon avis, il est full shield, donc je vais pas chercher la merde. On va contourner la zone. Ah, si, il y a un slot. Très bien. Moi je vais prendre, moi je vais arriver par l'arrière en mode gros connard. Oh stylé. Oh le bâtard. On a une Scar en or les amis. Yes. Ma première arme en or je pense. Dans une de mes vidéos. Ah putain. Il y a un slot, ils vont tous se rafaler dessus. Et pendant ce temps là moi je vais... toujours rester à l'extérieur parce que alors quand vous êtes dans les combats comme ça les amis, je vous prie de croire que vous êtes content d'être à l'extérieur. Ah lui, il va me donner, il va me défoncer. Imaginez, je l'ai. Non, je l'ai pas évidemment. Oui. Voilà, je ne l'ai pas eu, très bien. Je m'incline. Et du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aurait plu comme petit retour. Voilà, en plus, on passe niveau 3, c'est absolument magnifique. Voilà. Toc.
Alors je suis un peu dégoûté parce que je pense qu'il y avait moyen, très clairement il y avait moyen. Donc voilà, je vais bien regarder si c'est bien Reiki. Oui, c'est bien toi Reiki, voilà, très bien. C'est bien toi. Du coup les amis, je vous dis salut et je suis désolé de ne pas pouvoir avoir joué le Quadouza, mais je vous promets, j'essaierai de le jouer en vidéo. Et sur ce, je vous dis salut.